I can't see a thing, Jim. Well, hold on. I swear, it's always some damn thing. Wait, got it. Ah, hell, this thing ain't gonna hold. Shut up. Damn, you're ugly. You girls strapped in nice and tight now. Tighter than your mama's ass. That's a good one, man. What you got for me out there, Joey Ray? We got Terra for sure. I don't know about the rest. We got a big old buttload of floating debris out here. We hit pay dirt this time for sure. Explain to me, how are we gonna get all this home? I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Damn it, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, damn it. I'm out here with a hitch in my giddy up and here and there. Oh, yeah, your deck. Aïe, 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 quelle intro, mais quelle intro de dingo! Incroyable! Meilleur jeu ever, exactement, salut Nova, bienvenue! Salut Hervard, bienvenue, salut Pierre-Yves, super, je suis content que tu sois là, ça me fait plaisir, t'es revenu de vacances. On dit bonjour à qui? On dit bonjour à Capji, salut Capji, salut Guigui, j'ai vu passer aussi, ouais, y a sûrement d'autres plein de gens, y a Rexing dans le coin, pas loin. Voilà. Alors bon, toujours des petits problèmes de entourer, on dirait le cousin machin. Toujours des petits problèmes de transparence. Ouais, je vois qu'Hervard se pose la question. Bon, c'est un humain pilote à bord du vaisseau, enfin bon, un truc comme ça. C'est pas Guillaume. Non, pas encore. Pas là, ni la semaine prochaine, la semaine d'après. Si je me trompe pas, ça doit être ça, voilà. J'ai rien suivi, il dit. Dans deux semaines, et pour deux semaines... salut Julien, là j'ai failli oublier, mais vive les notifs. Ouais, ouais, c'est cool, bienvenue. Merci d'être là. Ouais, Rexink. Ouais, c'est. Eh ben voilà. Bon, j'ai toujours. Alors, la couleur du truc là, c'est un petit peu. Parce qu'il fait froid dans l'espace, hein, voilà. Il a fait un projet de Winter, il s'est loupé de cosplay. Ben écoute, on fait ce qu'on peut. Bon, je garantis pas que je jouerai avec les lunettes toute la soirée, mais on fait ce qu'on peut, on verra bien. Nous verrons ce qu'on fait. Attends, il faut que je monte le son de mon micro parce que j'ai remarqué la dernière fois que j'étais quand même pas bien fort et que j'étais obligé de gueuler. Eh ben, écoutez, bienvenue les amis, bienvenue, c'est dans le rétro. Et c'est la numéro 25, déjà ! Déjà 25 ! Voilà, ben écoutez, on en est... on accumule hein, quand même un petit peu. Et donc, cette semaine, ben, on fait un petit jeu, on en a fait d'autres, hein, mais on fait donc ce qu'on appelle un RTS, un jeu de stratégie temps réel. Et Nova l'a bien deviné, c'est, ouais, l'Outcast, avec le bon compte, tu as raison. On fait donc un RTS, c'est probablement, comme disait Nova, un des meilleurs, voire le meilleur, ouais, vraiment, vraiment super classe. On va voir ça tout de suite. Des petites news en attendant. J'espère que vendredi dernier, vous avez pu suivre, soit en replay, soit en direct, le petit déstockage avec l'ami Solenia. On avait deux, trois petites choses à montrer qui étaient vraiment sympas. On a pris quelques petites... c'est le jeu qui différencie les cerfs des rois. Ouais, tu vas lancer une polémique, je pense, dans le...
dans le chat, ça va être bien. Il y en a qui vont dire les serres, ouais, les serres des rois. Pas bien. Et effectivement, StarCraft, moi j'ai vu quelqu'un jouer à StarCraft 2 avec une dextérité incroyable. Alors, voilà, donc je disais, donc vendredi dernier, on s'est fait Go W3. Nous... oui, moi je préfère le sanglier Nova. Faites du pâté. Money match. Ça veut dire quoi, money match? Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que, si tu... voilà, on verra. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Yervar, un... Ouh là là, ça y est, ça va jouer de l'argent. Débrouillez-vous entre vous, moi je ne fais pas ce genre de choses. Hors de quest, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc je disais, vendredi dernier, on s'est fait un petit tour de déstockage. On en refera un, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Il y a 2-3 petites choses qui sont arrivées et qui font plaisir. Et qui font plaisir. Et voilà, tout simplement. On est allé faire un petit tour aussi du côté des copains de l'Outcast qui avaient des soucis de console. J'espère que ça marche, Julien. J'espère que ça marche cette fois-ci, que ça fonctionne. J'espère que tu as testé les jeux. Je ne sais pas s'ils sont en état ou pas, ils fonctionnent ou pas. Donc, on a fait un petit prêt. Ça fait partie aussi de notre rôle. Et puis, on a été contacté là récemment par je vais en parler, Arexink, une copine d'Arexink qui... à des soucis de cartouche Nintendo 64, de sauvegarde de cartouche, le truc pénible à souhait, puisque la cartouche de N64, eh ben, elle a eu plein de versions de sauvegarde différentes, soit de la SRAM sur la pile, avec la pile, soit de l'EPROM avec donc la petite puce, soit ce qu'ils appelaient de la FRAM, qui était vachement balèze. Du même genre, et en fait, les proms, quand elles marchent plus, faut changer la puce, et donc faut dessouder, machin, etc. C'est une galère pas possible, en plus de devoir ouvrir la cartouche avec un tournevis qui, bien évidemment, n'est pas standard. Et oui, horrible, dit Arexink. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ouais, ça fait partie du truc, on va l'aider, ça fait partie un petit peu de notre... c'est pas notre travail, entre guillemets, mais en tout cas, si on peut aider, c'est cool, on est content de le faire. Donc voilà, donc je vais bientôt rencontrer cette personne pour l'aider sur ce sujet. Et ça, c'est top. Ça, c'est super top. Et qu'est-ce que... Hey, Crossowen, salut! Comment ça va bien? ça va bien. Donc voilà, donc, et puis par ailleurs, donc dans 2 semaines, alors dans 2 semaines à partir de maintenant, donc pas le prochain, mais l'épisode 27 et l'épisode 28, ce sera donc Guigui qui va prendre le relais sur le live parce que je vais me mettre en petite pause en ce qui me concerne, même si les mesures de restriction m'empêchent de prendre des vacances, je vais quand même prendre l'air, voilà. J'oublierai pas que tu m'as call de noob sur un RTS. Oh là 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 là, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, c'est trop bien. Eh ben écoutez, c'est parti les petits amis. On se lance dans l'histoire. À tout de suite. On va dire bonjour un petit peu à tout le monde. Ça fait splatch. Ah, 1998. Vous vous souvenez, 1998, la France gagnait la Coupe du Monde. Ça, c'était classe. La France, oui, mais pas la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle jouait. Elle jouait à StarCraft. C'est ça dont on parle ce soir. StarCraft qui a fait Cosco Tebo, merci. C'est sympa. StarCraft, c'est le RTS qui est le top du top canon encore aujourd'hui. Hein. C'est très très bien, hein, bien sûr. Mais en tout cas, à l'époque, il a fait grand bruit. Il s'est vendu en 1998. Il s'est vendu à 11 millions d'exemplaires, les amis. C'est juste énorme. Il a fait un carton en Corée du Sud. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Ça a bien marché là-bas. Et c'est toujours le cas. Je pense que Nova, tu peux confirmer peut-être. Peut-être même qu'il n'est pas là ce soir. On n'a pas joué les Coréens. À quoi on n'a pas joué les Coréens? Au foot, peut-être. Je ne sais pas. Si, si, ils ont joué à StarCraft, de toute façon. Et alors, c'est super drôle, parce que moi, j'ai découvert le jeu. On jouait beaucoup à Warcraft 2. Et puis, il y a eu cette annonce de StarCraft qui arrivait. Alors, il n'était pas encore sorti en France. Et,
On avait coutume de dire c'est quoi StarCraft ? Le nouveau jeu de Blizzard, mais c'est quoi StarCraft ? On n'avait pas vu de vidéo, rien. Et on disait, mais tu connais Warcraft ? Et puis on répondait oui. Et on dit, bah, tu connais StarCraft. Et oui, parce que StarCraft, c'est quand même juste, avec quelques choses supplémentaires évidemment, une réédition, une redite de Warcraft, enfin une évolution en tout cas du jeu. C'est le même esprit, enfin, je ne vais pas dire la même chose parce que je vais me faire taper dessus. Mais c'est le même esprit. Donc voilà, et donc on avait coutume de dire ça, et c'était plutôt pas faux. Et on s'est bien éclaté à ce jeu. Alors, une des petites particularités de ce jeu, c'est qu'on pouvait jouer à 8 en local avec un seul CD du jeu. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. Donc avec une seule clé, on pouvait jouer à 8 en LAN. Et ça, c'était classe. Et je ne sais pas si d'autres jeux ont refait ça depuis. Mais en tout cas, c'était assez génial de pouvoir le faire. Et on ne s'est pas privé. Comme quoi, tu changes un skin et ça repart. C'est ça. Toi, KFJ, tu cherches la merde. C'est bien, t'as raison. Oula. Oh, dur. Counter-Strike, Quake, dit Nova. Oui, je sais plus pourquoi tu dis ça, mais c'est pas grave, je remonte le fil. Tant pis. Eh ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on entame le jeu assez rapidement. Alors, attends, parce qu'il faut que je me positionne. Je vais pas vous rejouer l'intro, évidemment, parce que quand même, faut pas exagérer. J'ai ma boîte de chat qui, je crois, dépasse un peu. Non, c'est bon, elle est un peu collée. Ça devrait le faire quand même. Et ce que je vous propose, les petits amis, c'est que... Alors attends, on va se remettre là. Donc on va faire un seul joueur, évidemment, je ne vais pas jouer du multijoueur. Ben, le nom du personnage, c'est moi, hein, bien sûr. Chaos et HCO. Paf. Dans le registre. Et là, à un moment donné, il va falloir choisir. Eh ben écoutez, vous savez quoi ? 21h15, on attaque la game, t'as changé. On règle la manette, il n'y a pas de manette, c'est du clavier. Alors après, le truc, c'est que c'est un clavier Mac sur un PC. Donc ça promet aussi d'être un petit peu pourrave. Alors les petits loulous, moi ce que je vous propose, c'est un petit sondage. Alors, on joue quelle faction ? Voilà, vous allez me dire si on joue les Terran, les Protoss ou les Zerg. Et je vais vous envoyer ça dans le chat, vous avez une minute pour répondre, les petits loups. Attention, vous êtes prêts ? Attention, tout le monde est prêt. Je lance le sondage. C'est parti ! Voilà, normalement, vous devriez le voir. Allez, on vote, on se dépêche de voter. Je sens que je vais jouer les Zergs. Moi, j'avais envie de jouer les Protoss qui sont censés être les plus balèzes, mais enfin, les plus balèzes sur le papier, hein. Mais rien que pour les Zergs, c'est un peu les aliens, hein. C'est un peu genre, il y a la reine mère et tout, là. Un truc bien dégueulasse. Je suis un boomer, j'en sais rien. Vas-y, vote, on s'en fout. Goban, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hérétique encore, mais Irvar, ça suffit, oui. Attention, c'est bientôt fini, allez, encore 20 secondes. 10 secondes, 20 secondes. Et ouais, il y a du nouveau sur la chaîne, hein, c'est bien. Hein. Ha ha ! On s'éclate. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Poum, go voir les résultats. Je vais donc jouer les Zerg. Zerg à 86%, vous êtes une bande d'enfoirés. Il y en a, je suis sûr. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont passé des bits ou des crédits là pour voter plusieurs fois ? Parce que je l'ai autorisé, ça. Ah oui, Yervar a contribué avec 1400 points de chaîne. Et blam, blam, blam. Ah oui, de toute façon, sur Mac, tu pourras pas jouer. Oui, non. Non, t'as piqué celui du boulot. Alors non, je joue pas sur Mac. Non. Et le clavier, c'est le mien. Oula, t'as tout claqué. Oui, il a tout claqué. Je pense qu'il a claqué tout ce qu'il avait et tout ce qu'il savait. Donc, on est d'accord. On se balance sur les Zerg. Je vais peut-être... Je fais pas un sondage pour savoir si je joue avec les lunettes ou pas. Si, je vais faire un sondage. Non, je vais pas faire de sondage, faut pas déconner. Il a plus rien, ça y est, il a tout vidé, il a plus rien. Alors Zerg, épisode 2, pourquoi
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut faire, nous de finir la campagne Terran avant de jouer celle-ci. Eh ben non, 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 je vous urge, on y va, direct. Vas-y, balance ton sondage, tu vas jouer avec. Bah ouais, c'est clair. Tu peux faire un petit don pour nous soutenir. Ah, je vous rappelle, pour ceux qui sont dans le chat quelque part et qui sont cachés, que vous pouvez... Alors, campagne Zerg, attends, que vous pouvez souscrire, vous abonner à la chaîne. Ça nous fait 3 petits sous, c'est super sympa. On en est à 11 et à la 15e, au 15e abonnement, je me déguise en Bulma. Bulma de Dragon Ball. Campagne Zerg, Lovermine. Les nuées ont écrasé la faible résistance humaine et ont semé le chaos sur 9 des 13 mondes Terran. Juste après la chute du monde capital de Tarsonis, le principal flotte Protoss a abandonné le secteur Terran. J'ai rien compris. On avait dit 5. Non, non, on avait dit 15. Parce qu'en fait, quand on l'a dit, on était déjà à 10. Hein. Donc, réveille-toi, mon enfant, et embrasse la gloire qui est tienne par ta naissance. Je suis Lovermind, le truc dégueulasse, de par la volonté éternelle de la nuée. Et tu as été créé pour me servir. Créer un bassin... Alors, objectif, créer un bassin... Il change les termes du contrat, là. Non, non, 15. 15, on a dit 15. On a les 4 sur le même, du coup, Bulma à poil. Donc, il en reste un. On est à 11. On a dit à 15. Ah là là, vous êtes des traîtres. De toute façon, ça finira bien par arriver. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut bosser. Faut aller chercher les gens. C'est à vous de le faire. C'est toi le traître. En ce moment, on repose dans une chrysalide protectrice en attendant de renaître dans la nuit. Alors, créer un bassin génétique, créer une cave hydralisque, protéger la chrysalide. Putain, je vais pas me souvenir de ça. Alors, faut déjà que je me rappelle les commandes. Ça se joue tout au clic droit. Montrer les conseils au début, c'est très bien. Tous les bâtiments agricoles. Alors, donc là, à la différence de Warcraft, évidemment, où il faut aller chercher de l'or et du bois, là, il faut aller chercher du minerai, bien sûr, et du gaz. Voilà, donc le gaz. Alors, attends, il est où lui? Putain, c'est tout petit. Alors, ça, c'est quoi? C'est un drone. Ça, c'est quoi? C'est une larve. Faut que j'en fasse quoi de la larve? Je sais plus lequel. Tiens, viens. Il y a une deuxième larve. Donc lui, il produit des larves. Ok, lui, il peut aller bosser là. Et lui, il peut aller bosser là. Et donc là, j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même un seigneur. Et là, j'ai des... Alors je sais que je peux les mettre... Comment je fais pour me déplacer? Attends. Voilà. Je sais que je peux les associer entre eux. Tu vois, je peux faire par exemple 4. Et donc c'est contrôle 1. Et 4, contrôle 2. Et donc après, il suffit que je les rappelle. Toc, toc, comme ça. Toc, toc. Ça, c'est cool. Ça, je me souviens de ça. Et donc, paf, déplacez-vous. Alors bon, on va pas aller se bastonner. Hein, on va y aller tout doucement. Par contre, ce que j'aime pas, c'est... Non, mais reviens là. Ce que j'aime pas, c'est que j'arrive... Je sais pas comment me déplacer. Voilà. Ah si, voilà, sur la carte. Vivement alerte rouge, commande and conquer. Ouais, j'ai entendu encore un sub. Comment ça, t'as entendu un sub? De quoi tu parles? Pierre-Yves vous suit. Non, il nous suit. Il nous follow, Pierre-Yves. Merci pour le follow, Pierre-Yves. C'est coolos. Merci, l'ami. En fait, là, il y a rien, en fait. Où est-ce que j'ai du gaz? Il faut que je construise un truc pour aller chercher Colony Creep. Lui, il peut... Putain, j'y connais. Ah, voilà, c'est ça. Je peux faire ça. Ok, viens là. Et donc, les larves... Qu'est-ce que je peux en foutre des larves? Je peux les transformer. Muter en drone. Voilà. Ou muter en seigneur. Bassin génétique. Alors attends, parce que construire un bassin génétique, est-ce que je peux le faire? Lui, les drones, ils peuvent attaquer. Développement en couveuse. Putain, c'est balèze, hein. Il faut vraiment avoir fait effectivement le premier. Je sais même plus comment on fait. Le modo a toujours raison. Tu crains tes chiants Zerg. C'est chiant les Zerg. Ah bah oui! Ah bah oui, mais on a voté! Ah, j'ai quand même des trucs là qui viennent d'apparaître là, tiens. Attends, contrôle 3. Très bien. Lui là, putain, mais je sais pas ce qu'il faut faire. C'est qui peut construire un bassin, bordel? C'est eux là ou pas? Attends, arrête-toi. Tu peux construire des trucs toi? Attaquer, récolter, mutation basique. Vas-y, mais explique-moi comment on fait pour construire un bassin. Développer enfouissage. Capacité unité terrestre. Et là, le gaz. Et là, le gaz. Mais le gaz... Tu vois, c'est bizarre parce que ça, j'ai l'impression... C'est quoi, ce truc? Une balise Zerg. Ok. Alors, attends. Faut que j'aille quand même chercher des trucs, alors.
Faut que j'aille voir s'il se passe des choses à côté. Donc là, je suis quand même au bord de la carte. Je suis bien au bord. Et est-ce que j'ai du gaz quelque part ? Ça a l'air compliqué. Salut Denis Gamer, bienvenue. Ce soir, ah bah voilà, là il y a du gaz. Donc en fait, lui, il va venir chercher du gaz. Construisez d'abord un extracteur. Ok. Mais qui peut construire un extracteur ? C'est ça le truc. Ah, attends. Putain. Menu. Aide-moi, aide. Aide raccourci, non. Merde. Oui, c'est compliqué, je sais pas qui peut construire. J'ai des larves. Et je peux les muter à peut-être... Est-ce que... Ah, attends, c'est le seigneur qui peut construire. Non, c'est un détecteur, lui. Tenir position, patrouiller. Très bien, patrouille. De là à de là. Et lui, colonie de sport, les chambres de main, colonie de bassin génétique. Faut que je construise un truc. Et là, j'ai des larves qui sortent, bordel. J'ai fait la campagne de W3 cet après-midi. Full tourelle défensive, sans unité de combat, c'est passé. Tu fais muter un drone en bâtiment, il me semble. Ah, ça, c'est gentil de m'expliquer ça. Sauf qu'il faut d'abord que je fasse muter un truc en drone. Parce que sinon... Alors, je le fais muter en bâtiment. Mutation basique. Oh putain. Alors, en extracteur. Voilà, très bien. Paf. Merci, Capji, c'est top. Merci beaucoup pour ton aide. Lui, il peut plus récolter. Lui, pourquoi il peut plus récolter, cet Ayuri ? Eh ? Récolter. Récolte, Joe. Attends, il a pas l'air de vouloir. Pourquoi il veut pas ? Et lui, il le fait ? Pourquoi lui, il veut plus ? Ah ! Il s'est transformé ? Non ? Putain, il fait plus rien, lui ! Ah si, ça y est. Non ? Alors, il faut que je le... mutation basique. On doit pouvoir faire une... Donc, il faut faire une couveuse, hein. On a dit, je sais plus, moi. Objectif de mission. Un bassin génétique. Ah, merde. Bassin génétique. Vas-y. Fais péter le bassin génétique. On va le mettre là. Nassin génétique. Il porte la chrysalide que tu dois protéger, lol. D'accord, merde. Alors, attends, parce qu'après, là, les trois, là, faut que je les mute en drone. En drone. Et les larves, elles sortent toutes seules, en fait. Hein, on est d'accord? Ah, c'est un par un! Putain, je suis pas dans la merde. Alors, attends. Donc, un drone. Putain de clavier. Ah non, je suis qu'à la souris, les amis. C'est top. Ah, ça y est. Allez, viens. Viens récolter du gaz, toi. On a besoin de gaz. Je crois, hein. Bon, je visite pas trop, hein, parce que là, la première mission, c'est quand même trop, c'est quand même cool, quoi. On est dans la découverte aussi, hein. Faut pas déconner. Dis donc, et après, il faut que je fasse quoi, on a dit ? Créer une cave hydralisque. Tu peux en faire plusieurs, mais il faut les ressources pour. Ah bah ouais, carrément. Trop de sous-êtres. Créer plus de seigneurs. Ah merde. Bah, muter en seigneur, alors vas-y. Ah, plus de minerais. Bah, dépêchez-vous, les mecs. Les seigneurs permettent de contrôler nos légions. Attends, on a trop de larves, t'imagines ? Et eux, je peux pas les muter en quoi que ce soit, non ? Sa mère. En zerglings ! C'est les petits, là, c'est les zerglings, là, les soldats, là. J'en suis où, du minerai ? Fais péter, là. Putain, il me sort des larves sans arrêt, lui. Allez! D'où t'as un clavier polonais en même temps? Alt F4, ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. J'arrive même pas où j'en... Détruire le... Nouvel objectif, détruire le campement Terran. Ah, mais... Putain, les salopards. Ok.
Tiens, viens attaquer là. Toi aussi, tiens. Donc le camp Monterran, a priori, il est au-dessus. Hein. Ouais, bah, moi je veux bien. Hein. Allez, viens, on va se déplacer par là-bas. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ah, mais non, il est tout là-haut. Ok. Oula, il va falloir que je fasse du Zerglings. Alors attends. D'abord, il a dit que il fallait que je fasse un seigneur. Parce que sinon, je peux pas faire de drone. Et pour avoir trop de sous-êtres, créer plus de seigneurs. Bon, les seigneurs. Les seigneurs, ils sont balèzes. Ils contrôlent utilisé. Je sais pas. Ils sont balèzes. Windows D, ça fait apparaître la console de cheat code. Mais d'où il me sort un truc comme ça, lui? N'importe quoi. Tu m'as fait faire une connerie, Cross Owen. Je vais te taper. Ah, ça y est, j'ai un truc là. Un seigneur. Encore un seigneur. Oula, mais ils m'ont dégommé ma... Faut que je la répare du coup. C'est ça? Attends, c'est quoi ce truc? Colony Creep. Est-ce que ça se répare? Sans doute. Récolter, mutation. Non. Putain, pourquoi ça gicle comme ça? C'est en train de perdre 188 sur 400. Muté en colonne. Vas-y, mute. J'en sais rien. Voilà. Il voulait vraiment cheater. Mais oui, je voulais vraiment cheater. Mais non. Je veux pas cheater. Alors attends. Est-ce que eux... Je vais emmener un seigneur. Le seigneur, il attaque, lui. Il peut attaquer. Hein. Est-ce qu'il peut attaquer, le seigneur? Je sais même pas à quoi ça sert. Je vais le foutre là. Putain, ils m'ont l'air d'être balèzes, les humains, là. Oh, mais comment je suis en retard? Mais laisse tomber. Je suis tellement en retard sur eux. Elle est toujours en train de saigner, elle. Hein. Pas assez de minerais. Mais oui, mais les mecs. Alors, elle est là, la jeune chrysalide. Et donc, il faut que je fabrique aussi un... Une cave hydralisque. Tu parles. En cave hydralisque, allez. Pas assez de minerais. Ben oui, mais oui. Eh ben, viens récolter du minerai, tiens, espèce d'enfoiré. Ah, on est dans un... Ah, attends, il a pris des dégâts, ça se régénère tout seul, je vois pas où est Zelda. Le seigneur, c'est comme des fermes. On arrive à t'avoir avec ces blagues à ton âge. Ouais, tout à fait, pour la population. Elle est dans un autre château. Ah, mais grave, t'as le bonjour de ma fille, mais salut! Salut Adeline! On n'a pas le droit. Si, c'est bon, on s'en fout. C'est pas grave. Donc là, c'est comme des fermes. Donc en fait, si je les envoie là-haut, ça craint. Vaut mieux qu'ils soient par là. La limite. Et puis, ils patrouillent de là à de là. Voilà. Ah, j'adore les gueules qu'ils ont. C'est trop bien. Allez, mute. Il me faut un truc, là. Mute en drone. Voilà, vas-y. Fais péter le drone. Ramène un peu de minerai, là. Et, Oh, c'est bien dégueulasse, le bassin génétique. Ça sert à développer un boost métabolique. Ça, c'est bien. Putain, mais je vois pas où j'ai mes ressources. Si, en haut. Le boost métabolique, c'est 100 et 100. Je peux le faire. Vas-y. Bazar d'un boost métabolique, là. Il faut que je puisse aller bastonner les humains, là. Alors, les terranes. Pas les humains, les terranes. Lui. Ah ouais, d'accord, ouais. Et toi, t'attaques pas, toi. D'où il a envoyé un truc en reconnaissance, lui. Mais... Attends, c'est... Ah ouais, il m'a... Ouais. Putain, il m'a pété l'extracteur, cet enfoiré. Alors, attends. Le truc hydralisque, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Non, je l'ai pas fait.
Oh, je suis de la baise là, mais grave. Ils arrivent par le côté. Donc il faut que j'aille foutre eux là, ici là. Non mais attends, il me faut des soldats là. Paf. Plus de minerais, mais dépêchez-vous avec votre minerai là. Viens là toi. Pierre-Yves, j'ai jamais eu de masque quand même. Pierre-Yves, tu es démasqué. Kabji, tu es démasqué. Ah mais tu savais pas. Ah tu découvres, c'est bien. Putain, j'ai chaud là-dessous en plus. Attends, faut que je boive un coup. Ouais, c'est du petit lait. L'autre, il me fait des larves. Il me pond des larves, là. Sélectionner les larves. Non, mais une seule. J'en suis où du bassin génétique, là? Ça y est, je peux les... Ils peuvent devenir supra-balèzes, là? Mutants Zerglings. Il me faut des Zerglings, là. Putain, les enfoirés, cas. Mais putain, mais venez là, vous. Vas-y, attaque, attaque. Oh, là, je me fais défoncer, hein. Il me faut du Zerglings. Mais ça va pas assez vite, là, le minerai, les trucs. Viens là, toi, viens là. Ah oui, alors, un des trucs sympas, c'est que... Même si on a visité la map, elle se... Elle est noire. Tenir position, là. Tenir la position, là. Hein? Ok? Ça veut dire que t'attaques si jamais il y a un problème. Toi, là. Ah, mais il m'en a fait plein, c'est bien. Tu vas venir par là. Toi aussi, par là. Ça se déplace vite, hein. Paf. Eux. Ils ont déjà bien cramé. Tenir la position. Pouf, pouf. Parce qu'il faut que je développe mon merdier, là. Toi. Mute. Ils m'en ont buté un, non? Et toi. Mute en Zerglings aussi. Et toi. Attends, ça attaque, là? Non. Shift. Viens là. Paf, tenir la position. Non, paf, viens là. Tenir la position. C'est ça. Niveau indignité, les Lyonnais sont pas mal. Oh putain, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Menon, j'ai jamais eu... Il y a une fiesta sauvage sur les quais du Rhône avec 300 personnes. C'est parce que je reste chez moi pour regarder les lives de Twitch. Niveau indignité, les Lyonnais sont pas mal. Oui, c'est clair. C'est clair, on est d'accord. On est tout à fait d'accord, mon cher ami. Hop, paf. Paf, on va les mettre par là aussi. Toc. Voilà. Lui aussi. Toc. Et puis après, on va emmener tout ce petit monde. Buter les terranes, là. Je sais pas si je vais y arriver, mais... attends, est-ce que je peux les transformer à un moment donné? Non, je peux pas. Ah, il faut développer la technique d'enfouissage, c'est ça? Capacité terrestre. Capacité terrestre. Vas-y, fais péter la technique d'enfouissage, je sais pas à quoi ça sert. Du Zerglings. Lui, là. Il faut que tu me fabriques une cave hydralisque. Ah, putain, plus de minerais. 100. Allez, vite! Allez, vite! La ville de la quenelle. Mais oui! Il est où, quenelle, d'ailleurs? Elle est où, la quenelle, ce soir? Il joue? C'est un streamer. Pour ceux qui savent pas. Allez! Balance du minerai, là. Ça va passer vite, là. Ça y est. Paf, paf, paf. Paf. Ça, ce sera fait. Maintenant, il faut que j'aille péter la tronche aux humains qui arrivent et qui me débordent par tous les côtés. Alors, ils sont passés par où, ces enfoiros? J'emmène tout le monde. Je cherche même pas à comprendre. Attends, là, je leur ai dit de tenir la position. Je vais passer par là, tu crois? Non, je vais passer par... Je peux monter par là? Ça m'a pas l'air simple, là. Euh,
Allez, vas-y. Vas-y, j'ai pas assez. À mon avis, je vais me faire dégommer. Ah, je suis pas mal. Je suis pas mal, mais ils sont pas assez bons, là. Développer enfouissage. Paf. Ça, c'est génial, ça. Et hop, défouissage. Alors, vas-y. Ah, ça va trop vite, ce satané. Par où ils sont passés, ces salauds? Par où ils sont passés? Par là? Putain, les balèzes. Je vais me préparer, je vais m'en mettre quelques-uns là. Puis je vais retourner fabriquer du... Toc, toc, eux, il faut qu'ils restent là, parce qu'on sait jamais. Alors attends, ça m'apporte quoi là, cette cochonnerie là? Ce truc là, ah ouais. Implant musculaire. Queue allongée, pointe hydralisque. Ouh là là. Pouf, pas assez de gaz. Récolter plus de gaz. Bon, ok. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Je suis pas en train de me faire dégommer là-haut? C'est quoi là? Pourquoi c'est vert là? Ah non, c'est moi. Ah, ils sont là. Oh, ils sont redescendus, les salopards. Ah non, c'est le minerai. N'importe quoi. Venez là. Venez. Mais en fait, ils ont des unités de combat un peu plus balèzes que moi, donc les pixels sont en PLS. Et moi, j'ai rien, moi. Je vais au suicide, là. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien faire ça. Oh là là, ils ont les gros trucs bien balèzes. Bon, j'en ai buté un, hein, c'est bien. Vas-y, enfouissage. Pouf. Je suis plus là. Ah, je suis en train de me faire attaquer. Bordel. Ah, les salopards. Vite. Fais-moi du... Non, pas du drone. Merde. Ah ouais, j'ai buté les larves. Oh bah, je suis mort. Laisse tomber, je suis mort. J'ai buté les larves. T'y crois, toi? Ah, je pouvais fabriquer un gros balèze, ça y est. Il va réussir à perdre au niveau 1. Bah, bien sûr, c'est normal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est logique, oh. En fait, il vient me narguer, cet enfoiré. Vas-y, fais-moi péter un hydralisque, là. Allez, du gaz, mon Dieu. Il me l'a niqué. J'en ai plus parce que j'ai plus personne qui vient chercher du gaz. Oh là là. Oh, c'est pourri. Je me suis bien pourri, là. Je me suis bien fait dessus. Vas-y, occupez-le un peu, là. Oh, il en arrive encore à tous les coups. Donc ils arrivent par là, ils arrivent par là-haut. Ah, j'ai plus personne. Bon, faut que je me fasse une masse là. J'arrive, j'avoue, mais il arrive toujours à me surprendre. Trois fois combo. En parlant de gaz, une blague me vient à l'idée. Non. Crossowen Capji, t'es nouveau ici. Non, mais non. Mais non, il sait très bien, il se moque. Il se moque de moi. Tiens, voilà. Je vais fabriquer du balèze là. Parce que bon, quand même. Il n'y a pas de raison. Puis je vais fabriquer un peu de Zerglings. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? On peut évoluer un peu là? On peut faire des trucs? Alors là, hein, portée hydralisque. Développer queue allongée. Ouais, bon, on verra ça après. Bon, j'ai protégé. Mais par contre, il faut que j'aille défoncer les terranes. Oh, j'ai chaud là. Allez. On se prépare. On se fait une petite armée là, vite fait, bien fait. Paf.
Elle se répare là, la truc de le machin là. Putain, il va me manquer un. Allez, je vais me faire une bonne grosse armée là. Tiens, voir. Ça va aller vite cette affaire. Paf. Non. Viens chercher du minerai, toi. Toi. Non, toi. Toc, viens là. Allez. On se développe un peu, là. Ouais, bah c'est bon. Ils sont où? Putain, les enflures! Et merde! J'arrive pas à sélectionner. Enfouissage, désenfouissage, ressort. Venez là. Allez, ressort! Oh là là, je vais me faire dégommer. Oh là là, il m'a tué mon truc là. Je peux plus rien fabriquer là. C'est quoi ce merdier? Sélectionne les larves là. Mute-moi ça en trucs qui sont balèzes là. Pas assez de minerais. Il me les a dégommés. Alors attends. Il m'en faut deux. Mais comment ça récolter plus de minerais? Ah putain, j'en ai plus qu'un. J'y crois pas. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. À feu nos discussions. Bon alors Pierre-Yves, comment ça se passe? Bien. C'était bien tes vacances en Andalou-Papouasie? Muté en hydralisque. Fais péter les hydralisques. Ah merde, 75. Fais-moi des trucs. Elles sont où mes unités là? Ouf. Et donc là, il m'a buté, je sais pas quoi. Si le machin qui me permettait de faire évoluer. Oh, c'est les boules, hein. Ils sont venus essayer de me casser là. Non, pas si au sud que ça, Valencia. Ah, c'est ça de jouer sur Mac, tu parles. Mais je joue pas sur Mac. C'est sa première mission de l'extension, pas du jeu de base. T'es sûr? Je croyais que c'était le jeu de base, moi. Fais des récolteurs jusqu'à en avoir 5. D'accord, chef. Bah ouais, mais il les a dégommés, l'autre enfoiré. Donc là, j'en ai 3. Donc des drones. Sauf qu'il faut 52 minerais à chaque fois. T'as vu un peu? Comme ça va pas vite. Oh là là, il m'a dégommé mon extracteur. Trop dur. T'as vu comment ça s'efface petit à petit? C'est drôle, hein, j'aime bien. Et en plus, il m'a pété la gueule de mon armée. Non mais sans déconner, foutez de moi ou quoi là? Défends, c'est bien. Allez. Plus vite. Pourquoi il m'a dit 5? Pourquoi tu m'as dit 5? Outcast, la légende raconte qu'il a fini Kirby en un seul live une fois. C'est pas une légende. J'ai un replay. Tu dois être en PLS devant live. Bah tu m'étonnes, Nova il est habitué à des vrais joueurs. Évidemment qu'il est en PLS. Non mais je suis pas allé assez vite au départ. On est d'accord, je suis pas allé assez vite. J'aurais dû être un tout petit peu plus rapide sur la construction. Seulement je la connais pas par cœur.
toute façon, je vais pas me laisser faire. Hein. On va aller péter la gueule des mecs, là. Allez, hop, toi. Toi, tu vas chercher du gaz aussi. Voilà, j'en suis à 4, là. J'ai 4 drones. C'est bien 4, non? Ah non, il en faut au minerai, il en faut un peu plus. Il en faut un au minerai. Hein. On est d'accord, il en faut 3 au minerai et 2 au gaz. Attendez, il y a au moins 3 APM, là. 3 quoi? 3 après-midi, là. Déjà, je protège ma larve. Lui, il m'emmerde. Toc. Fais péter. Là. 1, 2, 3. J'en ai 3 sélectionnés en même temps. Faut que je fasse de l'hydralisque. C'est mieux. Et il faut que j'augmente la portée. On est d'accord? Faut quand même que je les rende un peu plus balèzes. Alors attends, 75 x 3, ok. J'ai franchement pas assez de minerai. Hein. Ça va pas assez vite le minerai. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ça va pas assez vite le minerai. Action par minute. Attendez, il y a au moins 3 actions par minute. Là. Oui. Putain, mais c'est pas vrai de se moquer comme ça! Vous le savez que je joue pas bien! Capji, il le sait d'autant plus que je trouve pas les jeux qui nous essayent de nous faire deviner au boulot. Allez, 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 allez. Allez, on y va là. Allez! Mais t'inquiète, je vais récolter du minerai là. Vas-y, ça y est, c'est bon, c'est bon, ça monte bien là. Fallait faire le tuto. Ouais, mais non. Tu sais, hein, tu me connais. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller déglinguer les mecs. Mais pour ça, il me faut du monde. Et puis, il faut que je les monte aussi. Et il va falloir que je construise du un peu plus lourd. Et pour construire du un peu plus lourd, il faut que je développe ça là. 150, 150, on est prêt, on va y arriver là. Attention, paf, paf, c'est parti. Cave hydralisque évolution. On va produire du méchant là. Allez, fais péter un peu du zerglings aussi. Trop de sous-êtes, pas assez de seigneurs, merde. Fais péter un seigneur alors, pas assez de minerais. Allez, allez. Plus vite. Je vais me faire une méga armée. Arrêtez de vous moquer, je vous ferai remarquer qu'il joue avec les lunettes. Ouais, exactement, je voulais tortuer un volcan et une moule géante, rien compris. On salue le courage du streamer. Merci les amis, c'est gentil, j'aime bien votre soutien. Il est tellement franc. Et tellement spontané. Allez, allez. Ça avance l'évolution. Non, parce qu'il faut que je sois un peu plus balèze quand même pour y aller. On est d'accord, hein. On forme des gros trucs bien méchants. Bon, là, en attendant, il se développe autant de l'autre côté. Mais bon, peut-être, on peut espérer que... Oh, putain. Allez, viens, là. Tiens, on va voir comment je vais te faire mal, toi. Paf, voilà. Et donc ça, normalement, ça va augmenter la portée. Ça, c'est bien. Les implants musculaires. On va développer les implants musculaires aussi. Paf, vas-y, fais péter. Allez, je suis un fou, moi. J'ai combien de larves? Toc. Allez, on va faire péter des hydralisques encore. Et j'ai l'impression qu'il faut que je construise un autre truc. Voyons voir, juste pour voir. En quoi il peut muter, lui? Ah non, il est en train de bosser. Stop, viens là. En quoi tu peux muter, toi? Muter en chambre d'évolution. J'en ai pas déjà une de ça? En bassin génétique, ça s'est fait. Et donc, c'est la cave... non. C'est quoi que j'ai fait? J'ai pété tout à l'heure. Extracteur, colonie creep. Muter en couveuse. Non. Ah, ça, c'est une couveuse. La chambre d'évolution, c'est quoi? Putain, je sais même pas si j'en ai déjà fait une ou pas. Non.
c'est pas mal. Je vais faire une chambre d'évolution. Allez. Viens là, toi. Pouf. On va se refaire des hydralisques aussi. Là. Tac, toc. Cave hydralisque en pleine évolution. Et donc, ils vont pouvoir tirer de vachement loin, normalement. Et on va partir par là-bas. L'évolution, c'est ce que tu as essayé dans tes premiers streams avec Ancestor, où tu es mort de soif dans une rivière. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'on est toujours au même niveau qu'au début du stream, non. Mais on est toujours au même niveau pour l'instant. Mais on développe, on développe. On se développe. Et en fait, voilà. Ça y est, j'ai fini avec la cave hydralisque. Ça, c'est cool. Lui, il vient là. Je vais pouvoir faire encore des trucs. Et avec la cave d'évolution, regarde, tu vas voir. Améliorer melee, je peux améliorer missile, améliorer carapace. Voilà, bon, écoute. On va se faire une petite armée et on va aller voir les autres Aiori là. On va laisser pas grand monde. Ce sera très bien. Toi, t'étais pas en train de récolter quelque chose par ici, là, 1, 2, 3, 4. Ça va pas assez vite, le minerai, hein, les amis. Donc la chambre d'évolution. Toc. Viens là. Ils sont devenus balèzes, mes cocos, là. Viens là. Si, je vais aller leur faire mal. Si, si. Je vais leur faire mal. Tu vas voir. Je vais laisser personne et je vais aller les défoncer d'un coup. Je vais tout envoyer. Ce sera mon baroud d'honneur. D'accord ? À 21h57. On est bien là. Je suis un fou. Je vais le faire à la sauvage, à la sale. Ça ? Plus personne va protéger le truc. Ça va être, ça va être super. Faut que j'améliore quand même le... un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que je peux améliorer? Les missiles, hein. C'est bien d'améliorer les missiles. Paf, allez. Toc, vas-y, balance. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, fabrique-moi du truc, là. Fabrique-moi des choses un peu... Quelle nostalgie, ça me donne envie de me refaire un bon vieux AOE ou César. Envie, ça le prix de la vie. Envoie. AOE, Age of Empire, mais carrément. Et pourquoi tu fais pas un petit stream dessus? Ça serait pas mal, en fait. Ça serait bienvenu. J'avoue que je sais pas trop ce que je fais. Hein. Je suis en pleine évolution en plus. J'ai pas assez de gaz. J'ai pas assez de quoi. Ah, plus de seigneurs, pardon. Vas-y. Un seigneur, vas-y, fais-moi un seigneur. Non mais attends, avec tout ça là, je peux bien leur faire mal quand même, non? À mon avis, non, mais bon. On va voir. On se prépare. On se prépare. Moi, je jouais comme ça, je me souviens. On jouait, on fabriquait le maximum d'unités possible. C'était trop drôle. Ah putain, ils sont en train de venir là. Regarde, regarde. Je leur fais mal là, non? Je leur fais mal ou je leur fais pas mal là? Tiens, viens là, toi. Non mais parce qu'ils arrivent avec personne là. Ils viennent en reconnaissance en fait. Oh, putain, je peux pas prendre tout le monde d'un coup. T'imagines le délire? Alors attends, il faut que je fasse des groupes. Paf. Tiens, viens là toi. Toc. 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 Ok, ça c'est fait. Toc. Toc. Allez hop. Un troisième groupe là ici.
Ouais, je sais, plus de minerais. Allez, cette évolution, elle arrive, et après j'y vais. Je sais pas ce qu'il faut pour streamer, c'est mon fils qui a tout dans sa chambre. Ah ! Ah bah ça, on peut t'apprendre. Don't worry. Be happy. Il est dans quel groupe, lui ? Dis donc, mec, t'es dans quel groupe, toi ? T'es dans celui-là. Je sais pas combien on peut être par groupe, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit paquet. Là, je balance du violent, hein, les amis. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Ça va faire mal. Hein. Allez, on va faire monter celui-là. Déjà. T'as vu, je tire de loin. Nananère. Ah, ils sont embusqués là. Ah, il y a une tourelle. Oh là, mais il y en a deux des camps. Ah, les salopards, il fallait que je monte un deuxième camp, c'est ça? Ils vont m'encercler. Non, non, je leur fais mal. Je leur fais mal. Ils sont là. Ah, ils sont plus que trois. Allez. En renfort. On y va. Pendant ce temps là, il faut que je fabrique un peu là. Allez, faites-moi péter tout ça là. Attaquez-moi ces merdes là. C'est bien. Oula, je leur fais bien mal. Hein. Détruis-moi ce truc-là. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, le petit camp avancé. Adios. Allez, on va se mettre là. Tiens, viens là, toi. Youp. Mes copains. Vous allez là. Là, j'en ai quelques-uns, là, aussi. C'est tout ? Vous allez là aussi. Tiens, ah non, ils sont là. Tiens, toi. Toi, vous allez là. Ah ah ! Stratégie. Il faut que j'augmente ma carapace, ce serait pas mal. Hein. J'ai pas assez de gaz. Alors, j'ai pas assez de gaz. Là, j'ai une bonne petite... C'est quoi cette stratégie de merde, il va dire. Oh, ils arrivent par là. Je vais aller les dégommer. On va y aller gentiment. Ah ouais, mais ils ont des véhicules déjà. J'ai pas encore, moi. Dis donc, les gars, ça vous ferait chier d'attaquer, là ? Et alors ? Et alors, ça dit quoi, là ? Leur truc d'unité, là. Merde.
Je suis pas en train de dégommer le camp, là ? Hein ? On admire la concentration extrême du joueur, là, tu m'étonnes. Vas-y, concentré. Allez, hop. Hop. Vas-y, vas-y, toi aussi. Allez, les petits loups. Pouf, on balance. Allez, on balance, on attaque. On attaque. On attaque. On attaque. Comme ça, ils peuvent plus faire d'unité. Bon, je pense que je vais réussir à la terminer, cette campagne. Y a pas de raison. Ce serait dommage que j'y arrive pas. C'est violent! J'ai cru qu'on n'allait pas voir autre chose que le camp de base. Non mais faut être patient, hein. Faut être patient dans la vie. Là, il y en a encore. Et alors, c'est quoi le son de la victoire déjà? Où est-ce que je vais pouvoir monter là? Je crois qu'il n'y a plus d'unité, hein. Ils peuvent plus en faire. Bon, j'ai pas fait les commandes. Hein. J'ai pas fait les commandes clavier de ouf. Qu'est-ce qui reste de beau après? C'est tout? Normalement, c'est tout. A priori, j'ai tout dégommé. Ah! Où est-ce qu'ils vont, eux? Attention! Quoi? Victoire! Victoire! Ça fait... voilà, c'est bien. C'était long, cette première campagne. Eh, hey, regarde tout ce que j'ai construit. Putain, mais j'ai éclaté les stats. Regarde les bâtiments. Escadron Omega, il a rien fait. Regarde les ressources. Putain, ils en ont... Oh là là, mais attends, mais ils en ont pris plus que moi. Mais 100 fois plus, 2 fois plus que moi. Et je comprends pas. Ils ont rien fabriqué. C'est quoi cette IA de merde? GG. Yes, GG. Of course, GG. Aperçu, unité. T'as vu, j'ai perdu... Ah ouais, j'ai perdu moins d'unités. Mais j'en ai tué plus, évidemment. C'est les mêmes chiffres. Produit de 75, produit de 71. T'as vu, c'est marrant, ils en ont produit pratiquement autant que moi, mais au départ. Bâtiment, oh là là, rasé 15. J'en ai rasé 15. J'en ai construit 7, ils en ont construit 15. Parce que c'est le niveau 1. Ouais. Je sais. me gâche pas ma victoire, s'il te plaît. 45 minutes. Bon, écoute, hein. Pour un niveau 2. Un niveau 1 du niveau 2. Non, c'était la deuxième. C'était le mode histoire. Tarsony, paf paf. Je suis satisfait, mon jeune Cerebrate. Et je resterai, un temps que mon trésor sera protégé, je resterai satisfait. Ainsi, sa vie et la tienne seront mêlées. On ne va pas continuer. Amener la chrysalide à la balise. On ne va pas continuer, on est au bout du stream pour ce soir. Je crève de chaud, les cocos. Je crève de chaud, mais méchamment, méchamment. Donc, on va s'arrêter là. Bon, ben voilà. C'était bien ou c'était pas bien de redécouvrir StarCraft? Est-ce que c'était classe? Moi, ça m'a fait bien plaisir parce qu'en fait, ça faisait 1000 ans que j'avais pas joué, hein, depuis 98 ou 99. On y jouait, alors c'est pas mon micro, c'est pas mon vrai micro ça, hein. Vous inquiétez pas, je peux le toucher, paf paf paf, on n'entend rien. C'était Zerg. C'était Zerg, j'adore. Donc ce jeu, il était plutôt cool. Belle découverte pour ma part, je ne connaissais pas. Ah là, tu connaissais pas Pierre-Yves. Et attends, on n'a pas joué les Terranes ou les Protoss, hein. On a joué les Zerg, c'est les plus chiants là, on comprend rien de ce qui existe. Donc il y a eu des extensions évidemment à ce jeu. Il y a eu Insurrection. C'est un truc qui a été développé par Aztec New Media. Insurrection, Campaigns for StarCraft. Il y a eu Retribution, Authorize, un add-on qui est un truc en plus. Je sais plus ce que ça fait exactement. Et puis surtout, il y a eu Brood War, qui est une grosse extension qui a relancé la franchise en 98. Et après, StarCraft a existé sur Nintendo 64. StarCraft 64, et puis après, bah, évidemment, StarCraft 2, en 2010, et qui est toujours... alors aujourd'hui, il y a quoi? Il y a le remastered, il y a des trucs comme ça. Je ne sais pas à quoi jouent les gars, mais c'est plutôt chouette. Il y a des belles illustrations, je vous invite à aller chercher un petit peu sur Internet les belles illustrations d'origine des gars qui ont créé le...
qui ont créé le jeu, Chris Metzen notamment, qui est un univers science-fiction, qui a créé un univers science-fiction pour Blizzard, exclusivement pour Blizzard. Je suis en train de, j'ai de la tellement de buée sur mon truc que je sais plus ce que je fais. Yes, bon, et ben voilà, et ben écoutez, c'était cool. Alors la semaine prochaine, mes petits loulous, je sais pas du tout à quoi on joue parce que on passe au mois d'avril, d'accord. Et au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Attends, je suis en train de chercher mon agenda. J'avais noté des trucs. Mais bon, donc on avait StarCraft. Et StarCraft, c'est le 1er avril, l'anniversaire. Voilà. StarCraft 3 avant ou après HL3. Non, mais non. Je ne peux pas. C'est pas possible. Allô. Allô, mais allô, quoi. On a quoi de beau? On a Mario Kart Wii, mais non. On a Super Paper Mario. Ça, c'est pas mal, ça. On a Rayman 2 aussi, 99. Sympa, Rayman 2. Et puis, on va voir, on va voir. Je suis en train d'essayer de travailler un outil pour pouvoir tirer au sort un jeu. Mais j'y arrive pas. j'ai besoin des copains, des collègues. Paper Mario, Love, ouais, bah carrément, Rayman aussi, ouais, ouais. Bah, Paper Mario, ce qui est bien, c'est pas du plateforme, c'est un mode un peu particulier, j'aime bien, moi. Et puis, ça peut durer longtemps, si jamais je me sens. Donc, Super Paper Mario, donc sur Super Nintendo, en 2007. Pourquoi en 2007 Super Paper Mario, non, ça va pas, ça. C'est pas celui-là, Paper Mario. On regardera ce qu'on a. Quelle version doit y avoir une... Il y a la version GameCube que j'ai faite, moi, que j'ai poncé jusqu'au bout. La porte millénaire. Et puis, je sais pas s'il y en avait un autre avant. Pourquoi est-ce que j'ai un Super Paper Mario en 2007? C'est quoi ce délire? D'où ça sort? Le Super Paper Mario sur Wii? Mais oui, mais je l'ai fait en plus. Il est très très sympa d'ailleurs. Il est très très sympa. Il faudrait qu'on cherche plutôt Paper Mario tout court. Le premier est sur GameCube ou il existait avant? Ouais, je suis pas sûr. Paper Mario. Voyons voir. Alors ça, c'est The Origami King. C'est la série Paper Mario. Ensuite, série Paper Mario. Voilà. Paper Mario Nintendo 64, le premier. Ouais, celui-là, je le connais pas. Ouais, 64, Yervar, ouais. Toi, tu connais bien, toi. Sinon, tu peux faire un petit jeu rétro, genre Cyberpunk. Ouais, quoi, carrément. Mais carrément, Capji. Carrément. Paper Mario Nintendo 64, 1999. Peut-être qu'on peut essayer de le faire. Je le connais pas, ça serait sympa, parce que moi, j'ai fait celui sur GameCube. Putain, j'en ai marre, c'est en train de me tomber sur la gueule. Ça glisse, j'ai chaud, j'en peux plus, les amis. Bon, et ben voilà. Eh ben on va regarder ça, si ça vous tente, on essaiera de se faire un Paper 64, on verra si c'est bien ou si c'est pas bien, et puis sinon, on verra au hasard. Mais du coup, je vais peut-être pas me déguiser en Mario encore. J'aurais peut-être autre chose, je sais pas, faut voir. C'est toujours un défi, hein, ce cosplay-là. Peut-être que je peux prendre une petite vacance de cosplay la semaine prochaine, sinon. Je suis en train de me faire un torticolis parce que le truc tient pas. En peach. Ah ouais, mais non. En toad. En champignon. Ça peut être bien en champignon. Les foutus toad dans Paper Mario. Ou en feuille de papier. Tu me diras, ça c'est déjà fait, du haut de mes 70 kilos. Je passe derrière les affiches sans les décoller, comme dirait l'autre. Bon, les petits amis, moi, je suis bien content d'avoir passé cette petite soirée avec vous. Je vous rappelle que bah, il n'y a rien ce vendredi. Par contre, on prépare l'ami Guigui pour qu'il soit opérationnel sur le live du de mi-avril, les lives de mi-avril, les deux, le 12, le 13, le 13 et le 20. Ouais, c'est ça, le 13 et le 20 avril. On le prépare, il va nous faire du Splinter Cell, l'ami Guigui. Et il va nous faire le premier sur PS2 parce qu'en fait on peut pas émuler la Xbox et on l'a pas par ailleurs.
Et il va nous faire aussi du Gran Turismo sur PlayStation, le premier également. Ça risque de promettre, il adore ce genre de jeu, donc c'est classe, on va le laisser jouer là-dessus. Et puis, j'espère que ça va déclencher une petite passion chez lui et qu'il pourra continuer à le faire en dehors du mardi. On verra ce que ça donne, ça peut être chouette parce qu'il est sur des jeux auxquels moi je ne joue pas finalement, et donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc ça, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Ça peut être très très sympa. Alors, il sera peut-être pas aussi bavard que moi, mais c'est pas grave. Il faudra le déstresser, l'aider, voilà. Nous aussi. Et l'Outcast, on attend bien sûr la vidéo sur la Mega Drive, hein, si on veut que ce soit drôle, bah carrément. On attend la vidéo sur la Mega Drive et sur les jeux. J'espère que ce sera pour bientôt. On sera aussi gentil qu'avec toi. On fera même être plus indulgent qu'avec moi. On tourne la semaine prochaine. C'est super, génial. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être sympa. Ça peut être chouette. Et puis, nous, on se retrouvera sinon donc mardi prochain et puis le vendredi d'après pour un petit déballage dans le stock encore. On a 2-3 petites perlouses qui sont arrivées, qui sont juste géniales. Moi, je suis super content. On a eu du don. Du don magnifique, il faudrait qu'on fasse des vidéos dessus parce que on n'a pas le temps, c'est chiant. Puis de la réparation surtout, il y a eu de la réparation sur la PC Engine qui fonctionne avec le lecteur CD-ROM que j'ai présenté la dernière fois, donc on est plutôt content. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette sur les salons. Voilà. Et écoutez, à part ça, rien d'autre. Hein, on est bien. On reste là. On a fait une bonne petite session. Merci à tous d'être passés. Sur ce live, merci d'être toujours aussi fidèle, ça me fait plaisir. Je suis très très content. Je vous dis à mardi prochain. Portez-vous bien, soyez forts et surtout jouez. Salut !